Des sécheresses qui attisent les risques d'incendie. Des tempêtes, des inondations à répétition sur les côtes ces dernières années. Autant de phénomènes accentués par le réchauffement climatique selon de nombreux scientifiques. Plus 1,1 degré en un siècle. Pour Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le pourtour méditerranéen est particulièrement exposé. La réelle perception que nous avons du réchauffement climatique, ce n'est pas la température moyenne, ce sont les événements extrêmes. On voit bien, et déjà, d'ores et déjà, sur le pourtour méditerranéen, eh bien, le constat est clair. Au cours des dernières décennies, les événements extrêmes se sont intensifiés, que ce soit les canicules qui sont devenues plus intenses, voire plus fréquentes, plus longues, les précipitations intenses, on peut parler des événements méditerranéens. C'est vrai que c'est un peu la double peine pour cette région. Moins de précipitations, mais quand même toujours des pluies torrentielles, le risque de pluies torrentielles. Une réduction rapide et conséquente de l'utilisation des énergies fossiles pourrait encore changer la donne, estime ce spécialiste du climat, en conférence ce mercredi soir à Saint-Cyprien.